Dis à ton voisin, voisin, il faut que tu brises la malédiction de tes origines. Pourquoi est-ce que le serpent n'est pas allé chez Adam? Parce que Adam n'a pas de matrice physique. Adam ne pouvait pas porter un enfant. Il est allé chez la femme. Il a parlé. Souvenez-vous. Banza. Ah, est-ce que je peux parler? Avance. Ça c'est un mystère. Est-ce que je peux parler? Coucou, avance. C'est pour les adultes spirituels. Est-ce que je peux parler? Avance. Comment est-ce que Marie est tombée enceinte? Un ange, un esprit est venu. Il lui a parlé. Quand il lui a parlé, la grossesse est entrée. Avance, prophète. De même aussi, quand le serpent a parlé à Ève, la matrice a été souillée. Quand Adam est allé vers Ève, la semence d'Adam est entrée. Mais l'esprit du serpent, c'est ce qui s'est formé là-bas. C'est comme ça que la Bible dit Caïn était du serpent, était du malin. Parce que Ève avait couché physiquement. Mais parce que Ève avait reçu la semence par l'écoute. Un ange déchu. Il y a moins le moment qui dit ça. Qui lui a parlé? Fais attention à qui te parle. Bon, tu dis non, ça c'était Juda. On part chez Joseph. Il a deux enfants. Manassé le premier-né. Ephraïm le deuxième-né. Quand Jacob arrive, il prend la bénédiction. Il donne au deuxième-né. Il enlève la bénédiction à Manassé. Pourquoi? Origine. Mais le problème des premiers-nés n'a pas commencé avec Abraham. Non, leur premier-né, le problème est allé jusqu'à Adam. Car Adam était le premier-né des hommes sur la terre. Il était tombé. Dès l'instant qu'il est tombé, son premier-né aussi, Caïn, est tombé. Ah! Avance, prophète. Ima oléo, Nzamba basakoli. Ima oléo, Ima oléo, Ima oléo, Ima oléo, Nakolo bana bana nangakina, Kamula kana yeswe. Ima oléo, Ima oléo. Père, dans le nom de Jésus, accepte de bénir cette parole, de faire du bien à ton peuple, d'échanger l'histoire de nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Célèbre Jésus. Célèbre-le, célèbre-le. Célèbre-le, célèbre-le. Célèbre-le, célèbre-le. Pour ce qu'il a fait le dimanche. Pour ce qu'il a fait le lundi. Pour ce qu'il a fait hier mardi. Pour ce qu'il a fait aujourd'hui de 15h à 17h. Acclame-le surtout pour ce qu'il est sur le point de faire ce soir. Acclame-le pour cela. Que son nom soit glorifié. Restons debout, s'il vous plaît. Ce soir, prenons nos Bibles. Ce soir, je vais parler sur briser la malédiction des origines. Dis avec moi, briser la malédiction des origines. Dis à ton voisin, il faut que tu brises la malédiction de tes origines. Ce voisin n'est pas gentil, change de voisin. Change de voisin. Dis-lui, voisin, il faut que tu brises la malédiction de tes origines. Dis avec moi ce soir. Pourquoi les je ne te sens pas, je ne sais pas pourquoi. Tu es fâché contre le prophète Marco ou bien? Yaya, si on ne fait pas ça, on risque de fermer l'église après l'activité. Parce que ça marche avec l'argent aussi. Hein?
les gens disent l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte extrêmement cher. Donc si on ne vous demande pas, on va demander à qui? Alléluia. Et quand tu donnes, c'est pour ta propre bénédiction. Dis avec moi ce soir, je vais briser toute malédiction de mes origines au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 16, le verset 3. Je voudrais te conseiller à suivre ce message avec une sainte colère. Et ce soir, lorsqu'on va prier, ne joue pas avec ta vie. On va prier et allumer le feu ici. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Il est écrit, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère était une Éthienne. Est-ce que vous êtes en train de lire ça? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Ézéchiel chapitre 16, le verset 3. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté sur Internet. Je veux que tu partages cette bonne nouvelle, ce lien, aux membres de ta famille. Partage ce lien, demande à tes parents de suivre ça. Ces messages pourront sauver la vie de quelqu'un. On va lire ça à haute voix. Allons-y, 1, 2, 3, allons-y. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère était une Éthienne. Mettons-nous, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Briser la malédiction des origines. Aujourd'hui et demain, je vais essayer de traiter sur ça. Et à partir de vendredi, le message que je vais donner. Ah, Seigneur. Kalivra d'Abahanta. Yes, come on. Je ne sais pas vous le dire maintenant, au risque de commencer les polémiques. Mais l'enseignement que je vais vous donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes qui sont avec nous ici. Et Bella Bato Bazanabisolongo Awa. Jusqu'à présent, n'arrive toujours pas à expliquer d'où viennent les problèmes de leur vie. Et Sika et Uteli Makamabomouina. Plusieurs personnes. Et Bella Bato. Nous sommes chrétiens. Christo, nous venons dans les églises. Nous chantons. Nous prêchons. Nous prions. Mais nous n'arrivons toujours pas à expliquer. D'où vient cette souffrance? D'où vient la répétition de tous ces problèmes? D'où vient que ma famille est bloquée dans une chose année après année? D'où vient que dans notre famille, les gens ne se marient pas? D'où vient que dans notre famille, les gens sont intelligents mais ne réussissent pas? D'où vient que dans notre famille, les gens ont du mal à finir les études universitaires? D'où vient que dans notre famille, nous avons des grandes connexions, des grandes relations, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas? Bien aimé, on peut se tromper ici. On peut faire l'hypocrisie en souriant. On peut crier Alléluia et Amen. Mais chacun d'entre nous ici, lorsque nous rentrons la nuit, seul devant les étoiles, en train de chercher le sommeil, ce sont les questions que plusieurs se posent. Si ce que j'ai dit est vrai, dis-moi un Amen bien que je t'entende. Alors aujourd'hui, je ne veux pas parler juste pour parler, mais je vais utiliser la Bible pour te donner 8 définitions bibliques des origines. Qu'est-ce que la Bible appelle origine? Il y a 8 définitions. Et dans chaque définition, il y aura une dimension dans laquelle nous allons travailler et à laquelle est attachée une dimension de ta délivrance. Si tu es prêt, dis avance prophète. J'ai besoin que quelqu'un ait la Bible avec un micro. Parce qu'on va lire 8 versets ou plus, pour que tu ne dises pas que le prophète est en train de dire les choses dans sa tête.
ou parce que le prophète est en train juste d'inventer les choses. Mais on va lire dans la Bible. Je vais t'expliquer de par la Bible qu'est-ce que la Bible comprend par origine. Qu'est-ce que la Bible entend par origine. Le premier mot que la Bible utilise pour parler de l'origine, c'est Beten en hébreu. Beten. Genèse chapitre 5, chapitre 25, verset 23. J'ai besoin que ce soit rapide. Genèse 25, verset 23. Genèse 25, le verset 23. Il est écrit : et l'Éternel lui dit : deux nations sont dans ton ventre. Deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Le premier mot qui définit, qui parle des origines, c'est Beten. Et Beten veut dire matrice, ventre ou abdomen. En fait, c'est que la Bible est en train de dire là, deux nations se trouvent dans ton Beten. C'est que Dieu est en train de dire, il y aura deux origines qui vont sortir à partir de ta matrice. Plusieurs malédictions que les gens vivent, le Seigneur me les a révélées quand j'étais au bureau. Ce sont des malédictions de la matrice. La matrice qui t'a porté est une, oh mon Dieu, est une origine où tu as tiré la vie. Si ta mère avait été maudite, si la matrice de ta mère était une matrice maudite, tu as puisé la vie à partir d'une origine qui est maudite. Posez-vous la question, pourquoi il y a autant d'impudicité dans le monde? C'est que vous ne savez pas. Une des choses que le diable fait, au-delà de voler les étoiles, une des choses que les occultistes font, c'est de souiller la matrice de la femme. Et plusieurs matrices ont été souillées en couchant avec des sorciers, en couchant avec des occultistes. Et en faisant des choses inimaginables, le Seigneur m'a dit par l'avortement, plusieurs femmes ont souillé leur matrice. Et du coup, tous les enfants qui sont sortis de cette matrice-là, ils ont pour origine une matrice qui est maudite, une matrice qui est souillée. C'est ce qui explique que tu as fait tout ce que tu peux faire, mais ta vie est bloquée. Pas parce que tu as fait de mauvaises choses, mais parce que ton origine était une mauvaise origine. Je lève ma main droite comme prophète. Yes. Toute matrice maudite qui a été à l'origine de ta vie, aujourd'hui, que le Seigneur te déconnecte de cela. Que le Seigneur te déconnecte de cela. Celui qui vient amène plus fort que la délivrance commence. Amen. Avant de t'avoir, quand ta mère était plus jeune, elle avait avorté. Avant de t'avoir, avant de se marier, elle est sortie avec un occultiste. Et il y a un terme qui se dit dans le monde des occultismes, c'est le terme réceptacle. Ça veut dire que dès qu'un occultiste sort avec toi, il fait de toi comme son hôtel. Vous pouvez vous séparer. Si tu ne passes pas par la délivrance, la semence qui est entrée en toi va devenir un point de contact. Pour que même si tu t'es marié, même si tu as des enfants, tes enfants vont travailler pour le compte de cet homme-là. Pourquoi? Avant de coucher avec toi, ils s'étaient purifiés dans leur monde. Ils s'étaient consacrés dans leur monde. Et en allant avec toi, il a laissé une semence. Peut-être que ce n'était pas toi directement, mais peut-être c'était ta maman, c'était ta grand-mère, c'était ton arrière-grand-mère. Et à cause de cette matrice-là, la matrice a été maudite, la matrice a été trafiquée. Tu fais des enfants, les enfants ne progressent pas. Tu fais des
enfants. Tes enfants sont des Mongols. Tu fais des enfants. Tes enfants ont des maladies bizarres. Tu fais des enfants. Ils deviennent drogués. Ce n'est pas la tante d'abord. Ce n'est pas l'oncle. C'est la matrice qui les a. Si tu es femme, touche ton ventre d'abord. Touche ton ventre. Je parle à ton ventre aujourd'hui. Par l'autorité prophétique qui m'a été conférée par Jésus Christ. Je décrète et je déclare que ta matrice soit purifiée. Que ta matrice soit purifiée. Que ta matrice soit purifiée. Toute mauvaise sémence qui est entrée dans ton ventre, ce soir, que ça sort. Ton amène m'énerve. Avance, prophète. Yes. Il y a aussi des matrices royales. Des matrices qui portent des prophètes. Des matrices qui portent des rois. Je ne sais pas ce soir. Il y a une femme. Dieu va transformer ta matrice. Elle ne sera plus une matrice de malédiction. Mais ce qui sortira. Est-ce que vous savez que cette histoire ne concerne pas que les femmes? Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas que les femmes qui ont des matrices. Dans le monde spirituel, tout esprit, même les esprits des hommes, portent aussi des matrices spirituelles. Tu es, oh mon Dieu, mon Dieu. C'est comme ça que il y a des hommes qui sont incapables d'enfanter quelque chose de grand. Parce que spirituellement, leur matrice est maudite. Tout ce que tu fais échoue. Parce que ta matrice spirituelle, tu es sorti avec une sorcière. J'ai soin de dire ça aujourd'hui. Écoute, quand on te prêche la sanctification, c'est pour aller au ciel. Oui, mais c'est surtout pour ton bien sur la terre. Parce que vous ne savez pas. Tous ces hommes qui sont prêts à payer l'argent, ils vont te mettre dans un confort. Tu sors avec le mari d'autrui. Il te paye la maison. Il t'achète une voiture. Mais c'est intime. Toi, tu penses juste que. Parce qu'il est gentil. Parce qu'il est doudou. Parce qu'il est ton papi coco. Parce qu'il est ton boutchou boutchou. Et tout, il est ton bienfaiteur imaginaire. Toi, tu crois que c'est pour ça. Mais tu dois savoir que toute relation sexuelle, il y a un échange qui s'est fait. Il y a un échange spirituel qui s'est fait. Et beaucoup de personnes, quand ils entrent dans des retraites de l'occultisme, quand ils passent par des cérémonies et qu'on les charge des esprits, ils doivent se décharger sur une femme. Avance, papa. Il y a un homme, il te disait toujours, toi tu es mon porte-bonheur. Toi tu es une étoile brillante, tu brilles. Hein? Quand je suis avec toi, vraiment mes choses marchent bien. Toi tu pensais que c'était quoi parce que tu es belle? Tu es comme. Oui, à la Nina. Il me crie. Je suis comme ce poisson. Tu penses qu'elle suit, il suit ta beauté. Il a beaucoup d'argent. Il peut avoir les femmes plus belles que toi. Mais ce qu'il cherche, c'est d'investir ta matrice. De déposer quelque chose. Ce jour-là, il va t'appeler. Il va tout faire. T'envoyer de l'argent. Il cherche un endroit. Donc avant, il est passé par des incantations. Il a fait des prières mystiques. Il attend ce jour-là pour déposer sa sémence en toi. Et dès qu'il le fait, ta matrice essuyer. C'est ce que le serpent a fait avec Ève dans les jardins. Il a souillé sa matrice. Mais ce n'était pas par le rapport sexuel. Non. Comment il l'a fait? C'est passé par les oreilles. Parce que la parole est une sémence aussi. Quand il a parlé à la femme, il a parlé à la femme. Pourquoi est-ce que est-ce que je peux dire un mystère ici? Pourquoi est-ce que le serpent n'est pas allé chez Adam? Parce que Adam n'a pas de matrice physique. Adam ne pouvait pas porter un enfant. Il est allé chez la femme. Il a parlé. Souvenez-vous.
Banza. Ah, est-ce que je peux parler? Avance. Ça c'est un mystère. Est-ce que je peux parler? Coucou, avance. C'est pour les adultes spirituels. Est-ce que je peux parler? Avance. Comment est-ce que Marie est tombée enceinte? Dengenini Marie a su mon combat. Un ange. Moi c'est lui. Un esprit. Molimo est venu. Aïe. Il lui a parlé. À l'obélier. Quand il lui a parlé, dans l'obélier, la grossesse est entrée. Mon combat côté. Avance, prophète. Ah mon Dieu. De même aussi, quand le serpent a parlé à Ève, la matrice a été souillée. Quand Adam est allé vers Ève, la semence d'Adam est entrée. Mais l'esprit du serpent, c'est ce qui s'est formé là-bas. C'est comme ça que la Bible dit Caïn était du serpent, était du malin. Pas parce que Ève avait couché physiquement, mais parce que Ève avait reçu la semence par l'écoute. Un ange dessus. Il y a moins de l'homme qui dit ça. Qui lui a parlé? Fais attention à qui te parle. Sala qui est banamo ta rebella yo. Je savais que tu n'allais pas comprendre ça. N'abat qu'on voit ma beauté. Posez-vous la question. Mitouna motuna. Pourquoi Dieu? Pour aller nous avoir. A rejeté Caïn. A brusundoli Caïn. Son offrande. Nani bonzanaé. Avance prophète. Alaba chama naba. Avance prophète. Est-ce que je peux parler un tout petit peu? Rebella mouké ao. Pourquoi? Pour nanini. Si Dieu est juste, il doit rejeter l'offrande de Caïn. Selon notre théorie du sang, qui aussi est vrai, il devait rejeter l'offrande. Mais pourquoi Dieu rejette Caïn? Parce que spirituellement, la semence qu'il avait, c'est la raison pour laquelle, à peine Abel est agréé, le serpent est venu directement. Il a reconnu chez qui il avait déposé la semence et qui est sorti de cette semence là. Caïn. Caïn. My God. Il y a des femmes pour sortir avec cet homme là ce jour là. Il t'a apprêté la douche et puis il t'a dit va prendre les bains. Il est romantique. Il m'a allumé des bougies. Il y avait des senteurs, de bons senteurs. On avait bâti l'hôtel pour préparer ta matrice à recevoir une mauvaise semence. Ce soir, mon Dieu, le Dieu que je sais, celui qui m'est apparu, celui qui m'a appelé, il va te délivrer de tous ses contacts. Je dis, il va te délivrer de tous ses contacts. Tu l'as fait peut-être par ignorance. Peut-être que tu étais dans le besoin. Peut-être que tu as manqué la foi. Je prie aujourd'hui par la miséricorde de Dieu que tu reçoives une libération. Que tu reçoives une libération. Je lève ma main droite et je décrète et je déclare tout hôtel satanique qui se nourrit de semences qui a été posée dans ta matrice. Tout hôtel satanique qui se nourrit des sacrifices qui ont été faits à partir de ta matrice. Envoyé. Karabasha. Yes. Deuxième définition que donne la Bible. La Bible. Des origines. C'est le mot hébreu Mekoura. Dans le Bible, Mekoura. 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 Ézéchiel 16 que nous avions lu. Verset 3. C'est de là que Dieu est en train de tirer ces mots. Il dit, de par ton origine, Mekoura, il parle de l'origine, il parle à Israël, des origines, mais il fixe les origines d'Israël au-delà du Jourdain. Il dit que ton père était un Amoréen. Ta mère était une Étienne. Il dit que c'est ça ton origine. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu veux avancer dans ta vie, il faut apprendre à t'arrêter. Apprendre à consulter tes ancêtres. Consulte tes tantes âgées. Consulte tes grands-mères ou tes grands-pères. Il faut apprendre à demander l'histoire de la famille. Il y a un cours qui s'est donné en troisième des humanités. J'espère que ça continue. SOCAF. Hein? Sociologie africaine.
Et là, on parle des arbres, des familles. Comment il y a des ramifications. Tout est lié. Les origines d'Abraham, vous allez voir que tous les premiers fils ont été maudits pour la plupart. Le premier enfant d'Abraham, c'était pas Isaac, c'était Ismaël. Normalement, notre Dieu que nous prions devait être. Attendez, je vais vous chercher ça. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Non, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Je ne t'entends pas. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Alahasu Zeveregedes. Mandre Kia Genèse. Kalabra Sadavahas. Yes. Kelemre Sopranavateria. Amen. Kora Mandre Segerias. Genèse chapitre 25. Voici verset 12. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, d'Agar, l'égyptienne servante. Voici le nom des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Israël. D'Ismaël, pardon. Normalement, en principe, Dieu devrait être appelé le Dieu d'Abraham, d'Ismaël et de Nebajot. Normalement, parce que c'est Ismaël qui était le premier né. Mais Dieu a refusé Ismaël. Il a dit chasse-le. On dit bon, ça va. C'était le fils d'un esclave. Isaac arrive. Quand Isaac vient, on a lu là-bas. Deux nations vont sortir. Mais le plus petit va et le plus grand sera assujetti par le plus petit. Esaü, c'est le premier né. Il est sorti en premier. Mais c'est lui qui a raté la bénédiction. Et c'est le deuxième qui a reçu la bénédiction. On va se dire, ça c'est une. C'est par hasard. La faute de Rebecca, la maman. D'accord. Jacob, il a aussi des enfants. 12 enfants. Son premier-né s'appelle Ruben. Et Jacob lui-même, il dit que Ruben, toi, tu as souillé ma couche, tu n'auras pas la prééminence. Il lui a enlevé l'or, mon Dieu. Vous vous imaginez? Tu vas croire encore? Non. C'est une erreur. Judas lui-même, il met au monde. Le premier enfant, il s'appelait Er. Dieu l'a tué. Il dit, il était méchant devant l'Éternel. Dieu l'a tué. Bon, tu dis non, ça c'était Judas. On part chez Joseph. Il a deux enfants. Manassé le premier-né. Ephraim le deuxième-né. Quand Jacob arrive, il prend la bénédiction. Il donne au deuxième-né. Il enlève la bénédiction à Manassé. Pourquoi? Origine. Mais le problème des premiers-nés n'a pas commencé avec Abraham. Non. Leur premier-né, le problème est allé jusqu'à Adam. Car Adam était le premier-né des hommes sur la terre. Il était tombé. Dès l'instant qu'il est tombé, son premier-né aussi, Caïn, est tombé. Ah! Avance, prophète. Et cette malédiction des origines. Demain. Lobby. Tous les premiers-nés de vos familles, faites en sorte qu'ils viennent ici. Si il est à l'étranger, cherche sa photo. Maman, tu as les enfants. Moi, na liboso. Balam soumati kana na bou. Yakana moi na liboso. Qu'ils viennent ici. Le premier-né. Vous ne pouvez pas imaginer les réalités du monde spirituel. Les premiers, c'est comme ça que Dieu en Israël, quand il forme la nation, il dit à Moïse, tous les premiers-nés, ils seront à moi. C'est pour enlever la malédiction des premiers-nés que Dieu va établir la loi des prémices. Où tu vas prendre ce qui est le premier, tu sacrifies ça. Parce que si tu gardes le premier, tu vas maudire tout le reste. C'est ça la puissance de la dîme. Si tu manges la dîme dans la vie, tu es sous la malédiction. Pas la malédiction de la loi, non. La malédiction des premiers-nés a commencé avant la loi. Ça régit la vie sur la terre. Melchisédek, quand il est venu, il a enseigné ce principe à Abraham. Abraham a pris le prémisse. La dîme était une prémisse. La dîme, ce n'est pas tu as $100. Utiliser. Tu restes avec 40. Dans le monde qui dit, dans le monde qui dit, 100, ça c'est pas la dîme.
Le principe de la dîme, c'est quoi? Quand tu reconnais que ça, c'est Dieu qui m'a donné, directement, je sacrifie le premier-né. Come on, prophète. Je savais que tu n'allais pas comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les origines, consulte les aïeurs. Comment notre famille a été constituée? Il y a des familles ici. Dans votre origine, il y a les incestes. Oui. Dans vos origines, il y a du fétichisme. Celui qui était le tout premier. Parce que le premier ne veut pas dire qu'il est né forcément le premier. Mais le premier, c'est celui qui a été souvent le plus puissant. La Bible dit que Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas n'est pas le premier. Judas est le cinquième. C'est ça, non? Le troisième. Le cinquième. Le quatrième. Ah, j'ai oublié. Ruben, Siméon, Lévi, et puis Judas, le quatrième. Mais on dit, en termes de prééminence, c'est Judas qui est là-bas. Parce que c'est Judas qui avait reçu la royauté. Il y a des gens ici, tu es le troisième de votre famille. Tu es le quatrième de votre famille. Mais spirituellement parlant, à cause du fait que toi tu cherches Dieu, Dieu fera de toi l'origine des nouvelles choses, my God. Des nouvelles choses qui vont commencer dans la famille. Quand on parlera de mariage, on dira que celle qui est marié légalement et qui a ouvert les pilons de la famille, ça sera toi. Si tu dis amen, bien je vais prophétiser. Je parle à quelqu'un ici. Tu seras l'origine de ta famille. Tu seras l'origine d'une nouvelle génération. Reçois cette grâce. Consulte les origines. Dieu avait un problème avec Israël. Israël était un pays qui aimait l'idolâtrie. Disons ça dans des termes simples. Ils aimaient la sorcellerie. Ils aimaient ça. Tout ce qui, attire vers l'occultisme. Tout ce qui attire vers... Allez à Jérusalem même aujourd'hui. C'est la mère de toutes les sciences occultes là-bas. Toutes les occultistes se battent pour se positionner à Jérusalem. Certains scientifiques disent que là où normalement on devrait construire le lieu très saint du temple, c'est là qu'il y a le dôme du rocher. C'est à ce même endroit là. C'est pour les adultes spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Israël aimait ça. Israël les bikeko. Mama Israël. À peine ils sortent de l'Égypte, Moïse part sur la montagne prier. Donc Dadi est allé prier. Dadi a dit: bon mes enfants, je vous laisse entre les mains du pasteur David Joël, entre les mains du pasteur Morgan. Moi je me retire en prière. Je vais prier. Je ferme mes téléphones et je vais seul. Une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, et les mamans et les papas se regroupent. Ils viennent voir les profs, les pasteurs. Là où Dadi est parti, on ne sait pas s'il est mort, hein, ou s'il va revenir, on ne sait pas. Et puis même les dieux qu'ils nous prêchent là, on ne sait pas. Fais-nous un dieu qu'on va voir, hein, et tout. Et paix ça, offrande. Vous savez ce qui est bizarre? Les gens ont tendance à beaucoup donner là où il y a le faux que là où il y a les vrais. Oui. T'as la bien, bah prophète au balia au mongo makasi. Plusieurs prophètes qui t'ont bouffé de l'argent. Souvent c'était des faux prophètes. Et pour paix ça, pensa, hein? Là tu leur as donné vraiment de l'argent. Il faut ça au salam bekam au tout bekam au royaume. L'esprit que tu dois faire un grand bekam au royaume. Et là tu trembles comme ça. Tu prends les salons. Mais quand tu viens ici à la JLC, on te prend Jésus-Christ dans la vérité. On te demande l'argent ici. Non, là tu fermes les cœurs. Tu fais semblant comme si tu n'as pas l'argent. C'était ça Israël. Israël. Bah au camp va mon lim.
ils ont donné les offrandes pour faire un veau en or. Et Aaron leur a dit, voici votre Dieu qui vous a sorti de l'Égypte. Et là, ils ont commencé à célébrer, à danser. C'est bizarre, hein? La façon dont tu danses quand tu vas dans les fêtes mondaines. Mais quand tu viens à l'église, tu veux faire le sérieux. Ce que la vérité. C'est c'est oh non, tu vois, selon le cadre du macroéconomique et la constitution éditionnelle, vous savez, il fallait respecter les... Le fait d'aujourd'hui, de 20h, c'est de 20h, 10 minuit, jusqu'à minuit. Y'a pas d'anzam. Là, c'est pour les enfants. Minuit 22h. T'as des chrétiens, parce que ma fille est en piste. Comment le chrétien va faire sur la piste? Ma fille, notre bina, Ezama Bé, bina na yo. Oh, n'a pas fier. C'est mauvais. C'est pas mauvais. Oh, minuit, quand t'as un robanda, pas. Quand seulement il est minuit. Bah, bête le rongo. Et puis on lance les sons en question. C'est mati. Fête est bandit. La fête commence. Mais la même personne, quand tu vas venir à l'église dimanche, le dimanche. Akumama ya wenanga. Akumama. Ah bah on peut pas oublier là les enfants nanan. Au van. Yo hein. Toi. Aux idolâtres. Tu es idolâtre. Tu adores les veaux d'or. C'est pas Jésus Christ. Bisoba oh yé soit Kangola. Nous autres que Jésus a délivré. Bisoba oh yé soit Longola na Mokile. Nous que Jésus a fait quitter le monde. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Avance pour. Bisoba oh yé soit Kata Mutinga Singa Mutoluana. A Kata Ngona Mokile. Notre nom. Je n'ai pas besoin de m'exciter avec la musique mondaine. Quand ça commence ici, quand on adore, je deviens fou. Quand on loue, je deviens fou. Parce que moi, j'adore Jésus Christ. C'est lui qui m'a sauvé de la mort. Il m'a sauvé de la condamnation. Il m'a sauvé du péché. Et quand je oh mon Dieu, mon Dieu, quand on parle de lui, je deviens comme un fou. Je crie, je saute, je dis alléluia, je dis amen, parce que je suis sauvé par lui. Abiki samine panaye. Moto abiki samabeti maboro amakasi. Mes frères et sœurs, Israël avait ces problèmes-là. Moïse est revenu, il a fait le tabernacle. Ça maintenant c'est moi qui pense, ce n'est pas vrai. Okay? Ben, pas mettre. Mais je pense, je suis libre de penser quand même, que Dieu était obligé de leur fabriquer ne serait-ce que l'arche de l'alliance. Quelque chose qu'ils vont commencer à voir. Ça, ce n'est pas vrai, je ne pense pas. Je ne suis pas dans la tête de Dieu. Mais je réfléchis. Dieu avait dit, vous ne ferez pas les figures qui sont dans le ciel sur la terre. Mais à Moïse a dit, fais ça. Parce que Israël. Et vous savez quoi? Israël a les mêmes caractéristiques que nous. Nous aussi, on est très fétichiste. Hein? La mentalité. C'est la mentalité. C'est-à-dire quoi? Tu viens voir Daddy. Tu lui dis ton problème. Et puis tu dis, va en paix. C'est fait, c'est résolu. Surtout ce que père offrande. Maman, tu as fait une offrande. Offrande comme le rôle chantage de la prophète. Nanzambe. On a offrande na pesi penza. À 100 000 le sang malonga tain. N'a même pas fait une. Oh papa, je sens des douleurs dans mes pieds. Parce qu'on pas te dit, père, tata, au nom de Jésus. Guéris cet enfant. Amen. Tu es guéri. Obiki. Tango bimi kuna. Et quand tu sors là comme ça? Ah, Mikolo da yonika na onction te. On dirait que papa n'a pas l'onction. Nayo kaka passe. Je sens toujours la douleur. Nayo kaka douleur. Je sens toujours la douleur. Nana ebisio que so basale opération. Qui t'a dit que Balongo lo kiste? L'hôpital que s'il passe aux alaté. Après pendant plusieurs mois yo kaka passe. Pendant plusieurs. Mais kiste wana. Et le que banda ko rendre malade. Mais la chose qui t'a c'est longue déjà. A déjà été enlevé. Mais yo soroyé. Il faut mourir la zone. Il faut qu'il t'amène. Il a ma foutre. Amène-moi de l'eau, amène-moi de l'huile. Il a ma mou. Amène-moi du sel. Sangissez-moi. Et puis mélange le tout. Tu coules la main, colo, il te
Tu sais pourquoi? Tu ne sais pas croire à la parole, la mentalité de tes ancêtres. Et aussi, c'était comme ça. Oui. Ils allaient chez les féticheurs. Moi, mon père est pasteur. Donc, je ne suis jamais allé chez les féticheurs. Mais dans le film en nigérien, là-bas, ça a pété. Il y a des gens qui sont allés. À Robin, ils sont il te fait danser. Yo, pay one. Qui n'est pas quoi faire? Non, non. Ça va. Allez, tu as besoin de maquis. Zo maquio yo. Prends cette. La minuit. Pour quand on a balabala. Pour reçoit moi. Et puis tu vois. Yo, on a peine à minuit là. Et puis tu te lèves la nuit. Tu sais pourquoi? Mais pourquoi? Fétichisme. Et aujourd'hui, l'église est obligée d'être un tout petit peu fétichiste. Parce que vous n'avez pas la foi. Quand ta foi augmente, tu n'as plus besoin que les prophètes te fassent des services. Non. Il suffit qu'ils parlent. Le centenier romain avait un degré de foi. Il a dit à Jésus, je suis centenier romain. J'ai des gens au-dessus de moi. J'ai des gens en dessous de moi. J'ai dit à l'un viens, il vient. À l'autre va, il va. Il a compris que le monde de l'autorité, ça se travaille par la parole. Jésus, toi tu es élevé au-dessus de toutes choses. Dis seulement un mot. Quand tu vas grandir, tu n'auras plus besoin qu'on te donne de l'eau ou qu'on te mette de l'huile dessus. Il suffit que les prophètes viennent et qu'ils disent tu es béni. Tu vas croire en cette parole. Tu vas aller avec cette parole. Tu diras je suis béni. Je ne peux pas être maudit. Parce que cela m'a été déclaré par mon nom de Dieu. Donne-moi la main bien, je vais me fâcher. Amen. Je savais que je n'allais pas te rejouer. Toi tu aimes beaucoup de cérémonies. Un prophète. Je ne sais pas si c'est un faux prophète. Il est allé prier chez un politicien. Ils ont prié. Ils ont acclamé. Quand ils ont fini. Les politiciens les bénissent. Il leur donne $200. Alors il était venu avec 8 personnes. Ils ont fait la veillée. Quand il sort à la porte dans la voiture, c'est le monsieur qui était venu. Il était gros. Alors il entre dans la voiture. Il l'ouvre, il voit $200. Ce type fait ce jeu de mots. Tu vois, il veut te jouer de moi. Oui, bah, ça. Vous savez ce qu'il a fait? Nzamba batte la bana nangai. Que Dieu. Amen. La raison pour laquelle je suis dur avec vous, c'est parce que nous voulons préserver la race de prophètes qui ne feront pas honte à l'évangile. Tu n'es pas obligé d'aller quémander de l'argent. Je suis ici, mes fils sont là. Je ne vais pas chez les politiques. Je ne pars pas dans leur maison. Tu veux me voir? Viens au bureau. Parce qu'il faut que ça kilo na appel na yo. Amen. Yo ba intercession na ba veyo ke na ko sale ba batoan. Et puis il n'assiste jamais. A que là la tribune ko sa madame. Nous avons beaucoup de prérogatifs. Alors priez demain je. Aïe na tonga pe sur enveloppe. Comment on devient le matin terminer une enveloppe. La chose que la personne là bas ne va pas vous édifier. Donc moi là le bango est atteint. Obet ta prophète Marco Pembe. C'est pas édifiant. C'est pas édifiant pour vous. Parce que les gens sont fétichistes. Israël était comme Israël ça. Bon, Moïse est parti. Josué est venu. Écoutez ce que Josué leur dit. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit l'Éternel ou les dieux de vos pères. Ah, papa, comment il peut tenir un tel langage? Malgré que leur papa était mort dans les déserts, la nouvelle génération là avait tendance à aller. Quand Josué est mort, nous sommes entrés dans les juges. Même histoire. Il pêche en allant chez les faux dieux. Dieu les punit. Il demande pardon, Dieu le sauve. Il pêche seulement ça. Jusqu'à ce que David est arrivé. David arrive pendant 40 ans, ça va. David part. Salomon arrive. Mais il est venu avec 1000 femmes. Donc 700 épouses et 300 concubines. Donc il y avait plus de 1000 autels de divinités étrangères. Plus tard, Dieu les chasse.
ils partent en captivité à Babylone. Alors Dieu vient révéler à Ézéchiel. Il lui dit, tu vois le problème que j'ai avec Israël, c'est l'idolâtrie. Mais ça vient d'où? Alors Dieu prend l'origine. Il dit, ça vient de votre origine. De par vos origines. Bien aimé, il y a des choses que tu fais aujourd'hui. Il y a des réflexes que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas toi, c'est tes origines. Regarde ce qu'on dit au Congo. Voyez un peu. C'est-à-dire que même si tu veux essayer de faire l'exception d'une manière ou d'une autre, c'est comme si ça peut te rattraper. Pourquoi? Ce n'est plus une question du fait que tu es un individu, mais c'est maintenant une question de l'origine de ta famille. Il y a des familles ici de votre origine. Vous êtes des chefs coutumiers. Vous voyez, de votre origine. Et tu vas te rendre compte que à un moment, cette histoire-là, c'est un peu de te toucher toi aussi. De votre origine, vous êtes des reines. Et quelque part, au moment tu ne sais pas pourquoi je suis si instable. Pourquoi quelquefois je peux manquer du respect à l'homme que j'aime. Origine. Pourquoi je suis violent avec les femmes. Origine. Voyez un peu. Quand tu ne traites pas avec l'origine, ton père était fumeur. Ça crée l'origine. Et toi aussi. Tu comprends pas. Au comme ça mon style. À un moment tu fais ça pas mon style. Oh, t'es ils ont la cigarette, t'es la chicha. Ah, c'est pas du cigarette, c'est un peu du chicha. Oui, mais t'es la cigarette. C'est pas que c'est toujours la cigarette. Et milingat. C'est de la fumée. Donc quand tu ne sais pas, ce n'est pas toi. Tes origines. Il y a des hommes de Dieu. Il aime Dieu. Mais il est attiré par l'occultisme. Pourquoi? Ses origines. Son arrière-arrière-grand-père. Il était féticheur. Oui. Il était féticheur. Alors, il y a dans la rana, un prophète chez nous ici au pays. Asili sa ministère n'a bien un prophète dans Mbikoudi. Il a dit moi. Je vous dis la vérité. Mbikoudi. Olandi boy. Et pas Nabango. Il y avait des Mbikoudi. Il y avait des devins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, la puissance de Dieu va aller dans tes origines. Yes. Une chose que Jésus a fait, yes. C'est que Jésus a fait. Yes. Si tu dis amen, je vais te dire. Yes. Avance, prophète. Une chose que Jésus a fait. Yes. Jésus a amené l'histoire. Yes. Un arbre renversé. Yes. Puisqu'il savait. Yes. Comment on prophète? Est-ce qu'il y a un Zambalola? Avance, prophète. Dieu s'est battu avec les hommes. Il a essayé avec Abraham. Il a essayé avec Moïse. Il a essayé avec Esaïe. Il a essayé avec David. Il s'est rendu compte. Le problème, c'est juste l'origine. Ils sont venus tous d'Adam. Et Adam et Ève ont écouté la voix du serpent. C'est comme ça qu'ils sont attachés au monde. C'est pourquoi Jésus n'a pas pour origine la terre, prophète. Jésus a pour origine le ciel. Ses racines sont sur le ciel. À la base. Et puis il dit, je suis l'arbre, le vrai cèpe. Mon père est le vigneron. Donc c'est mon père qui m'a planté. Si le Père l'a planté, il dit quand vous priez, dites quoi? Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire que là où le Père a planté Jésus, il l'a planté au ciel. Il ne l'a pas planté sur la terre. Et maintenant il dit, moi je suis le vrai cèpe. Vous êtes des sarments. C'est-à-dire que nous et Jésus, nous sommes un arbre dont les origines ne sont pas sur la terre. Les origines sont dans le ciel. Oh mon Dieu. Le premier pas pour être délivré de tes origines, tu dois changer d'origine. Tu dois quitter la terre. Et oh mon Dieu, tu dois quitter les origines terrestres et épouser les origines célestes. Lorsque dans ta conscience tu seras beaucoup plus conscient de ton origine céleste que de ton origine terrestre, alors les choses du ciel commenceront à influencer ta vie. Oh, je ne sais pas si je
parle à quelqu'un. Romains chapitre 8, le verset 1. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ce verset-là ici la bien et si la malamouté en grec traduit par 3 plus 4 versions français courant, français courant, Martin, Martin, non non, parole de vie, pardon, parole de vie, Darby, Martel, King James. Si vous lisez, on vous dit ceci: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, virgule, lesquels ne marchent pas selon la chair, c'est-à-dire quoi? Ils ne marchent plus selon leurs origines terrestres. Ils ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire qu'ils marchent selon les lois spirituelles, selon les enseignements de Jésus. Pourquoi tu échoues dans la vie? Pourquoi tu vas de délivrance en délivrance? Tu tombes, tu te relèves. Les mêmes démons reviennent. Moi, quelquefois, j'ai fait ceci. Je préfère te laisser avec trois démons. Je ne leur chasse pas. Je ne leur chasse pas. Je ne leur chasse pas. Au lieu de les chasser, ils vont partir, cherchent encore 7. Et ça, 21. Ça fait 21. Plus 3, il est comme 24. Il y a l'état de la personne deviendra pire. Il y a mon avis. Arrête. Délivrance dans Ngomba, ok. Délivrance dans Tamba, ok. Délivrance dans Mangengenge, ok. Délivrance dans prophète Nakina, ok. Prophète Chimbo, tu es parti. Et la sœur, moi, on a l'occasion de papoler Mbata. Pourquoi elle a la Kinga Boy? J'ai envie de la gifler. Oui, elle a quitté moi, mais il y a un prophète à Rayaker Moraboy. Oh, tu viens qui est un prophète dans Malé. Oh, prophète, c'est ce prophète là. Il s'est abusé de moi. Il s'est abusé de moi. Ça tout est violé. Abia, as-tu la macasse? Oh non, prophète, il m'avait dit que rien à ma foutre. Il allait me rendre les seins parce qu'il y avait des démons dans mes seins. J'ai amené aussi l'huile. Et puis maintenant, il m'a enlevé les habits. Il a commencé à me rendre. Et puis nous sommes tombés. Donc il pense que papa est un zobayo. En vue de tes chiffres, je dis regarde-moi. Bah, c'est rien, moi, je ne comprends pas la rabbinote. À un moment, je ne comprends pas les sœurs. Comprenait que la vraie prophétie ne viole pas la loi du bon sens. La vraie prophétie ne vole pas la loi du bon sens. La vraie prophétie, elle peut pas. Je ne peux pas venir te dire oh non, comme il y a des démons sur ta bouche, je dois t'embrasser. Oh non, je dois faire sur toi le service d'Élysée. Et c'est quoi? J'aimerais me dire pour que tes histoires. Yaya. Et là, on résume le bonheur de Wanda. Boyanan. T'as l'âme qui m'ingo dans la monde, on a quoi étouffé dans la vie? J'ai resté de oui, bah, c'est pas le signe, hein? Aïe, pas mis là, ici. Allez, prophète, pas y'a l'allélié. Les prophètes, ben, monte dessus. Eh, sœur. Bah, sœur. Les sœurs viennent confesser. Après que la relation est finie. Allez, il s'est abusé de moi. Il t'a pas violé. Tu étais majeur. Tu savais ce que tu faisais. Si Kabitambola, arrête de marcher partout. Tu regardes bien. Tu es tombé, tu t'es relevé. Le problème s'est empiré. Tu vois un peu? Le problème est devenu pire qu'avant. Pourquoi? Quand un démon sort, il va revenir plus fort qu'avant. La solution, c'est quoi? Te délivrer, c'est bien. Qu'on chasse le démon, c'est bien. La délivrance est différente du fait de chasser les démons. La délivrance, c'est que le démon est parti et ta vie est restaurée. Donc tu es délivré. La vraie délivrance, c'est lorsqu'après qu'on ait chassé le démon, tu t'assieds, on commence à te nourrir de la parole, de la parole, jusqu'à ce que ta conscience sera changée. Tu arrêteras d'être charnel. Le Christ aujourd'hui est trop charnel. Nous sommes encore dans le tribalisme. Sœur, on a bien gagné une église. Quand on est entré à Kitambo ici, aïe, une église, jour, il y a un Congo Salinga. À ce moment-là, j'avais un peu les histoires chez Salinga Penza. Qui pose à Katobina. Qui fait des Kinzambi que la coulo. Tombé dans mon dimanche. On va dire le dimanche. Oh maman, maman, Topini, Tosi, les sœurs. On a dansé, on a dansé. Tangaye, Abi prophète Mbali, Bosunaya. Prophète, ma femme, mon église Nanga. Ça, c'est mon église. Pauvre, ma tango bandika, mon kutoba. Quand tu as commencé. Yo qui peut-être que Aon de Konabiso Penza. Je me suis dit, c'est vraiment. Natalia, c'est Ozando Kio. Tu es sorcier à toi. Le prophète est tout prêt. Il va te parler là. Je dis tu es sorcière. Moi j'ai besoin des fils du royaume. J'ai besoin.
Ma église à Congo comme les églises du Congo sont qui pasteur à mon louba. Pasteur et louba. Maman et Chilouba da Chilouba. Là vous entendez Chilouba. Nasi na mon frère mon église à louba. Frère wana za mungala bien aimé. Bien mungala. Totika la oyé baté. On savait même. Posoka mati na micro. Bien aimé. Il dit bien aimé. Tolingi sko yo tubale la makila na Nzambi. Vous voulez maintenir mon Nzambi. Zamba kusunga mutu moko wa lelo soko lo bien amen Nzamba mona yo. Que Dieu te voie. Jour mususu na tunie combo na zagana apesi na combo. Tu t'appelles. Mais oh. Mais vous êtes combattu à l'équateur, mon cher. Toi, tu es de l'équateur. Non, mon équateur, mais tu as l'église. Oui, mon cher. L'église va louer. Non, c'est louer. C'est louer. Vraiment. Si l'ingala est aussi, je n'aime pas l'accent. L'ingala, ça ne va pas. À la JLC. La JLC. Nous ne sommes pas une église de Balouba. L'église de Balouba. Nous ne sommes pas une église de Bakongo. De Bakongo. Nous ne sommes pas une église de Baswahili. De Baswahili. Nous ne sommes pas une église de Bangala. Yabangala. Nous sommes une église céleste. Nous sommes une église des habitants du ciel. Ce qui nous réunit ici. Ce n'est pas le sang des hommes. Ce n'est pas le sang de nos ancêtres. Ce qui nous réunit ici, c'est le sang de celui qui est venu du ciel. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si je parle à quelqu'un, alors célèbre-le avec des cris de joie, des cris de victoire. Yes. Il y a ce cantique qui dit Toyaka wa bona nanye wolo. Toyaka wa bona yeswe. Il y a un zamba salabi so bien tobota na kin. Donc nga na kinwa. Muno ka mboka ngope na yebi ngote. Donc oyela nga makambo ya ki muno kutobate na yebi ngote. Oh ya mwane tu na yebi ngote. Kuto auto bianga sama. Ote. Hein? Jina ila ke. Uni mistalmi e una fal menin. Na yese niye mwamba ni salama. Niye baba wa uzima. Niye mukombozi wangu. Majabu. Nie majabu. A bas le tribalisme dans l'église. A bas. Le Congo ne va pas se développer tant que nous aurons la mentalité tribaliste. Nous devons avoir la mentalité de famille. Et non pas la mentalité tribale. Yes. Pour résoudre les problèmes des origines, Dieu a envoyé celui qui est venu du ciel. Il est venu d'en haut. Il a des origines célestes. Lorsque tu reçois Jésus, toi aussi, tu nais d'en haut. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec lui, avec Christ, désirez, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis. Si à la droite du Père, c'est de là que tu es maintenant. Mais ton problème, tu es charnel. Tu considères encore le sang chair de la chair. Kimuluba. Moi, ça coucou, que Sakana n'angate. Femme ne peut pas se jouer de moi. Dieu, Sakana n'angate. Y'a un gros comprendre que mon lit, moi, polygamie, que l'on m'obé. Polygamie ne va pas te quitter. Tu vois? Mon lit. Ngaï. Biso, pas la biso. Non, chenou. Et pas la biso, ma Congo, ils ont la caboueté. Chez le Congo. Et la batoumoussou, baza, on a l'ongolata la micro. Pour pas comment porter plainte, hein. Oh, nous, la communauté, offense contre. Eh, Nzambalola. Pour me quoi interpréter en côté. Vrai ou faux? Il y a des choses ici dans ces pays. Et tu es chrétien. Il y a des gens ici. Jusqu'aujourd'hui. Tu soutiens les Nzungwa famille. Yo penza, Nzungwa famille. Tu soutiens ça. D'ailleurs, prière dans la famille Nabino. Et même ta prière. Que ça vient de votre maison. Votre famille. Oh, t'es tant de gens qui pas Simbango. Mais je les ai gars. Et regarde, Pépa Nabiso. Ça finit. Et on verra aussi cette fois. Ou y'a une église. Tu viens à l'église. Losa. Moukédika. Mais ce aussi ici. Et quand on finit là. Il y a une famille des hommes que je connaissais, que j'ai respecté. Si ils commencent à te lire la Bible ici. Soit si mes blis à Awa. Tikako. Yaonga, ce n'est pas ça qui m'impressionne. Te parler en langue ne m'impressionne pas. Chika barabara. Ça m'énerve. C'est de la vérité. Il faut parler en langue que les gens ont dans la tête.
Quand il a fini, chaque dimanche, sur Wauti Kilt, quand il vient après la pogo bakendara famille mobile. Après le soir, il part en famille. Toi, il va rater bakendara. Ouais. Nous avons même pas ça qui part. Un jour, l'esprit prophétique peut s'engisser. Moli moi et sa colia. La boutou non s'amela. Et la nuit, pendant que je prie, je vois une vision. Quand je vois la vision, on a moni moni celle. Depuis jour où tu commis ben ennemi. C'est ce jour-là que nous avons. La fingiote. Je ne t'aime pas. La lobby non ma bête. Tu commis ni pour la nuit. Sur toi, sur et qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé? Une couleur telle ici. Au moment du dimanche, tant qu'il te sille la ronde. Dimanche quand le guet fini. Vous aurez une dako. Malade bien qu'en église. Il est d'accord. Mais ce qui va s'y laisser. Bon, qu'en église à Malemba. Il part dans les églises de Malemba. Bas sur ta moto. Là, il saute le feu. Mais diacre, un diacre. Hein? Bah qu'en église à beaucoup qu'on a bango. Les églises ancestrales. Il faut quand même au monite, hein? Tu vois. Dans l'église d'Abisso, il n'y a pas tout. Hein? Il n'y a pas tout. Il faut quand même un peu. Abattir la moto, pas à côté. Là, il saute le feu. Mais ce qu'il y a une église, il y a une chorale normale. Il est là comme ça. Yes, moto, en zambé, tumba, tumba. Que le feu de Dieu te consume une fois. Tu vois, beaucoup d'entre nous, nous nous disons chrétiens, mais nous continuons sur les pratiques mauvaises de nos origines. Je savais, mais je te dis la vérité. Ce dont tu as besoin réellement, c'est la vraie repentance. Que tu abandonnes les œuvres mortes, que tu abandonnes les mauvaises pratiques, que tu abandonnes ce mauvais chemin et que tu te donnes totalement à Jésus. Amen. Que tous les sorciers disent amen. Qui a dit amen là-bas au fond? Dis avec moi origine. Origine. Non, dis avec moi origine. Origine. Ces choses sont certes, sont impuissantes. Tu dois accepter de devenir un arbre renversé. La racine ne sera plus sur la terre. La racine sera au ciel. Désormais, je ne t'aime pas parce que tu es mon Okutumba. Je t'aime parce que tu es enfant de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Désormais, je ne t'aime pas parce que, oh non, tu es de ma famille biologique seulement. Non. L'amour que j'ai désormais pour toi, c'est l'amour du Christ avec lequel je t'aime. Je te supporte. Je te pardonne. C'est dans cela que le vrai amour va rentrer à l'église. Et la gloire de Dieu va revenir au milieu de nous. Acclame Jésus si tu crois ce que je te prie. Dans l'église va partir pris. Tu verras l'église de parti pris. On comprend les témoins. C'est où on a confiance à Zalaka. Non, on a mère, on est Zalaka. Ni. On l'a né la bouée. Baron mi balé. Origine. Bata Katanga. Ils sont tous du Katanga. Et directement, mon Ikaka. Moi, pour l'ingomo naturel. Moi, je ne fais pas confiance aux gens, mais à elle, je lui fais confiance. Mzoka. Alors qu'ils sont d'une même province. Oh, on a passé. Collaborateur. Son collaborateur. Yabango. Il est de chez eux. Moi, j'ai des fils ici. Je ne connais pas d'où ils sont. Yo, ça capte la province. Naïbite. Kingandusunda. Naïbite Kingandusunda Zarawabi. Mais il a vécu avec moi pendant plusieurs années. Dans la même maison. Dans la même maison. Je ne sais même pas de quelle origine. Je sais pas. Le pasteur David Joel a vécu avec moi. Je ne sais pas, il est d'où. Il est baraté. Parce que je vais répéter combien de fois. Naïb raté. Le pasteur Morgan n'est pas de ma province. Voyez un peu. Parce que le Seigneur m'a fait juste comprendre. Tant que dans ton esprit, tu seras beaucoup plus terrestre que céleste, alors les origines terrestres vont toujours te combattre. Ça va toujours te combattre. Si tu veux recevoir la délivrance contre tes origines, épouse les origines célestes. Ça commence par là. Si maintenant ça commence par là, c'est-à-dire que la sève de ta vie te vient du ciel. L'énergie de ta vie te vient du ciel. La puissance de ta vie te vient du ciel. Alors tu vas commencer à affronter maintenant les résidus de la terre. Tu peux traquer cela. Pour la dire au Bounisaka, Fabi Nabino, Kindoka, Fabi Longa Kokaka. Pourquoi tu combats
parce que et la société familiale ma racine nous allons dans ma belle. C'est parce que tes racines sont encore sur Lélo. Aujourd'hui. Zamba longola ba racine nous dans ma belle. Amen. Dieu de racine. À cause de sa racine nous dans Lola. Amen. Et qui nous place au ciel. Et pour que cela se passe, ce n'est pas juste le fait de dire Koloye sur Nayami ou non. Il faut que dans ton cœur, tu décides que moi, je vais suivre Jésus. Pas venir à l'église, hein. Comme on s'appelle la JLC. Comme on s'appelle dans l'église à prophète et la Christ est au côté de l'eau. Hier matin, quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a dit une parole. Non, c'était dans la journée. Il m'a dit seul. Ceux qui vivent le ciel sur la terre pourront quitter la terre pour le ciel. Je savais que tu n'allais pas comprendre ça. Seuls qui ont laissé Jésus vivre en eux seront pris par Jésus pour vivre avec lui au ciel. Ce n'est pas le fait de venir devant d'abord. Cela, c'est une décision de dire je vais suivre tout ce que Jésus a dit. Je veux faire ce que Jésus a dit. C'est là que commence la délivrance. La vraie délivrance, c'est lorsque femme, tu deviens disciple de Jésus. Tu commences à faire ce qu'il a dit. Jésus a dit qu'il ne faut pas faire ça. Je ne le fais pas. Les apôtres ont enseigné qu'il ne faut pas faire ça. Je ne le fais pas. Je n'aime pas parce que, oh non, il m'a fait du bien. Non, j'aime parce que Jésus a dit qu'il faut aimer. Et si, aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Comment Jésus nous a aimés? Avec tous nos défauts, toutes nos fautes, on a péché, on a répéché, on a répéché. Hein? Mais Jésus continue à nous aimer. Maintenant, je veux t'aimer pas parce que tu fais des bonnes choses. Je t'aime parce que Jésus m'a dit que je t'aime comme lui, il m'a aimé. Tu fais une faute, je te pardonne. Tu fais une faute, je te pardonne. Mais si tu ne veux pas te répentir, je t'aime de loin. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Écoute, il y a encore 6 qui sont là. Je vais en parler demain. Mais celle-ci est plus importante. Le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup d'entre vous ici, vous êtes allés d'église en église. Mais vous n'êtes jamais né de nouveau. Parce qu'on vous a fait des rites religieux. Sinon Jésus te reçoit. Mais aux hommes, tant que mon kilé est bien. Et quand le Bimana Mbaliwana, Finga, au Fingi, Tonga, au Tongi, Lissoumou, la génération à l'élo. Le péché de cette génération. Oui, Bézani. Vous savez c'est quoi? Oui, Bézani. Vous savez c'est quoi? Le Kouta. C'est le mensonge. Hein? Aujourd'hui, l'élo. Parce que chaque génération a ses péchés majeurs. Et je vous révèle, le péché du mensonge, c'est l'un des péchés majeurs de notre pays. De notre génération, pardon. Oui, oui. Parmi lequel il y a l'homosexualité et plusieurs autres que je pourrais vous citer plus tard. Les gens mentent à cause ça. À quoi la vérité? Dès que tu es coincé, réfléchis à l'hypothèse d'Adine. Vous mettez 12. 12 caca. Pour t'en sortir. Si on a bêta qui borrou la tête, il y en a t'en sortir. Ah, si je n'avais pas menti, je n'avais pas m'en sortir. Tu viens à l'église. Oui, n'est-ce pas? Aux yeux enveloppe. Tu prends la pour envoyer au pays en église. Ok, Nanda, comme nous les lamas. Tu parles à la maison, tu commences à pleurer. Bah, c'est la biscotte, c'est la biscotte, il fallait tout faire. Mais nous, on est quand on t'a quitté. Bah, c'est la biscotte, vraiment. Maman, on a quitté côté Kamakala. Maman, c'est une vendeuse de la presse. On est où il y a capital. À Pessio. Elle te donne. Allez, yo, il est dans l'open église. Tu reçois la bénédiction, je reçois. Yo. Yamba, li pambo, yambi. Toi. Qui n'est pas un prophète, n'a bien un balabala. Chez le prophète là de la. Ce n'est pas chez Jésus. C'est pas. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je savais que tu n'allais pas dire amen. Naïbaki, voilà. Naïbaki. Ça, je le savais. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ma femme m'a dit beaucoup d'amen à la maison. J'ai ça en. À ton lobby, je m'en fous. Si tu ne dis pas amen aujourd'hui, je veux parler. Bon niveau non nyata mayan dieu dans ma colonne niveau je suis en train de craser là des pieds. Dis amen bien. Donne-moi un bon amen. Tu dois te convertir. Il y avait un homme. Zaina mobali moko. Dès que Philippe est arrivé à Saramari. Tango Philippe comme la Saramari. A comme boy. Ils sont venus professeur. My father, my father. Do it again. Kaboy.
Attention avec les gens là qui aiment beaucoup. La plupart des ont raté leur conviction. Pas tous, mais la plupart. Bon, nous sommes mingi mingi. Oleki bango, méta général, intercontinental. Yonde. Le jour où il voit Pierre. Pour mon Pierre. Alors tiens, bato ma boko. Bato bonjour Saint Esprit. Oui, que tu en aies mal à mort. Savez le monsieur venu. A tiki papa na edadi. Il a laissé son daddy. A qui koto? Il allait vieux. Pesanga ba clé. Donne-moi aussi des clés. Quand sanga ba bord vieux. Ajoute-moi les histoires là. Je vous dis la vérité. Je parle de Simon le magicien. Mais Simon a moto qui si? C'est comme ça qu'on l'a écrit. Il s'appelait seulement Simon. Comment on a dit Simon? Tant qu'à mon esprit, dimension l'icône. On a vu la dimension. Prophète, on a mon accafort. Prophète, là, il voit. Comme papa, ça va numéro de téléphone, t'es ok na Facebook. Comme il donne numéro de téléphone. Marco Marcosa. Je cherche maintenant Marco Marcosa. Quand il demande. Puis, tu peux te faire non, si on non. On accepte. Tu acceptes. Oh, t'es daddy. Ah, daddy. Daddy. Il n'y a vraiment. Ce sont les gens qui ni d'Adam, ni d'Ève. Même pas. On s'en pas dans la tête. Je ne suis même pas chez moi. Daddy, il y a des gens. À quel moment je suis devenu ton daddy? Oh non. Bison de daddy a fongamate. Ah, chelou là. Ouvre-moi un peu. L'apôtre Pierre l'a regardé. Thomas il lui a dit fils du diable. Moi, Nazabolo. Tu vas aller pourrir dans l'enfer avec okay, ton argent. Pour Aïla Kenambon, je rends cet argent ici. Impose-moi les mains pour que moi aussi, quand je vais aller imposer les mains, que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Vous voyez? Il était là avec Philippe. Mais il avait raté sa conversion. Quand ce n'est pas tout le monde qui est près d'un homme de Dieu qui l'est converti. Si tu veux savoir si réellement tu crains Dieu, ce n'est pas ici à l'église. Quand tu es seul, avec ton téléphone, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Toi, ton téléphone, non, si téléphone est calé. J'ai perdu mon iPhone 14. Je suis en paix. Mon téléphone, mes fils connaissent les codes. Disons ça. Tu ne trouveras pas de bêtises à l'intérieur. Pas parce que je crains les hommes. Je n'ai pas raté ma conversion. Jésus-Christ a réellement transformé mon cœur. Je sais aimer. Je sais pardonner. Je sais craindre Dieu. Je reste un humain, c'est vrai. Je peux trébucher. Mais à chaque fois, je reviens à ses pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Koyana une église. Et la qu'est-ce que bongo limotema le fait de venir à l'église pour Simon le magicien peut abandonner quoi la nini parce que Simon le magicien a aussi mais la coutu d'adi Philippe Bible lui même aussi prenait la Bible pour Simon la Bible partout d'adi que partout d'adi Philippe sonne la salika moi miracle quand il fait un avance il dit avance on le dit bango alléluia de personne alléluia jusqu'au jour où il a vu un autre apôtre avec une plus grande dimension. Vous voyez pourquoi il y a des divisions dans les églises? Pourquoi il y a des trahisons dans les églises? Les gens ont raté des conversions. Les gens ont raté des conversions. Au moins, les soucis dans les années. Tu sais mon souci. N'engoyez pas, ouais. On doit vraiment délivrance à solo. Souci dans les années. Après une année, deux ans. Que au moins appena que vinayo quelque chose s'est passé. Je dois te dire la vérité. Médecin ni ngo wana. Oh ozana myom, abi soka katezwa aspirine melego le kanango. C'est kazandoki, alinga bomayo. Popo na kosungo ifa ebiso mama moni libu muno eza ya kopola. Ton ventre. Soki to perio lobi lobi ato okufa. Et ko salo passe. Et ko tindo luka mbongo. Mais soko le kin opération. Et ko biki sayo. Et tu seras sauvé. La plupart, on ne vous prêche pas la vérité. Il y a calé l'orozo miracle. Yamba, orozo, alekende, orozo. Mais comment tu vis? Maman, tu maltraites les enfants de ton mari. Parce que babimina libumuna yote. Parce qu'il est sorti. Bangondo koma kokanga bangondo ki partout. C'est comme ça que tu leur tiens des sorties. Oh mais maman a pevalongo mabe. Ok, na bangona église obwe mabe. Ok, na obwe partout. Nde bango bandoki. Ya yo bana ki ndoki balia tangu yo moko lia ki ndoki na 10 ans. Au monde à monter. Sur céleri. Qui vous tient maman bien aux alarans d'angoir la nez qui nous doit solo solo. Cœur là que tu as ça même la presse au céleri. Et on a ça. Ce qui m'énerve mon Dieu, à une église. Qui c'est capable papa machin qui nous doit yo. Quand mon encore bon on la fait ma bouche réponds-toi. Qui oh mon Dieu.
bien aimé, nous avons l'obéi qui n'a pas, nous avons mais dès que les cultes saints se finissent, Agba Libanda, à mon assez à qui t'aura les gâtés. Qui ne voit pas une blessure passée et son cœur. Ah, nous avons la révélation. Il commence à avoir des révélations. Dieu m'a dit que c'est là. La femme, il y a 12 ans. Tu m'as fait montrer ma femme. Il y a 12 ans. Et c'est toi. Et puis il y a même un balan qui nous a servi dans la prophétie. Toi aussi. Tu es en bleu là. Tu parles. Allez, je vais servir une balan dans la prophétie. C'est seulement la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, la vérité, je vais te dire la vérité. Je suis ton père. Hein? La vérité, c'est que tu as raté ta conversion. Tu as raté ta conversion. Parler en langue ne veut pas dire que tu es converti. Parce que les gens copient les parler en langue. Aujourd'hui, tout le monde veut parler les parler en langue du prophète Ken. Interdénavigable. Le replay, ce qui dit, le comité de la dernière. Au moins, il peut parler en langue. Comité de la maison déposée. Mais ils ont dit, oh prophète Ken, t'es papa. Pourquoi tu nous mens? Ah, Ishaka Mota Pro. Ah. Et Kandeko Parada. Yo. Waba. Waba. Et Protokoto. Ils sont tous les yébis. Tu es le bahana. On copie papa au yébis. Tu es yébis. Avance, père. Quand on était à Philadelphie, l'apôtre Dalou à l'époque, il parlait une langue là. Sandra Bassèche. Rondorobosèche. Maman. On a arrêté la jeunesse. Mais il faut mon à tout le monde. Et devenir les sèches et les sèches. Sandra Bassèche. Sondorobosèche. Londrobosèche. Si tu veux, Ngaï, Moli Manzabassi, Mangana Badika, Mlika Farouna, Daskabo, Tantere, Fekando, Manchetiri, Fatou, Sandra. Frère mon royer, frère, à tous les rabbis, oh yo, la langue, le bagana, où t'as rapio? Et toi, les langues là que tu parles, ça vient. Tous les mots, où t'as rap? Pourtant, je t'ai vu aussi doux. Oh, ah, mon cher. On a eu la zaga d'église telle, les manoirs, y'a t'es, manika, vous copiez, ou pas, le bagana, La carrière, on va la monter, on va pas. J'ai bloqué ça ma tête. Et après l'église, on se voit la question, on va la tableau. On te montre. Ri, pa, po, ri, pa, po. Yo, pe, aujourd'hui, cerveau, tiens, on libanda. On va libérer au loba. Yo, pe, ça, hein. Toi, vraiment. Ri, pa, pa, po, po. Et vous allez voir ce genre de personnes, ils deviennent même pasteurs parce qu'il a fait l'école biblique, parce qu'il a un diplôme théologique. Il a appris comment copier le pasteur. Mais quand tu le regardes en secret, il peut empoisonner quelqu'un. D'où viennent les poisons dans l'église? D'où viennent les poissons dans l'église? Donc si la gueule est à peine aboyée, le prophète Marco a eu un micro naïe. Et il vient. Pour on ne sait jamais. Bah pasteur, tu commences au temps où miel là. Sac. C'est quoi ça? Les amis. Les gens ont raté leur conversion. Amati peut être comme pasteur. Sorcier vraiment. Nini? Sorcier vraiment. Mais sorcier c'est lui qui a dit. Sorcier. Là comme il peut pasteur. Il peut devenir pasteur. Un pasteur est allé dans une grande école théologique de notre pays. Le professeur a tout dit bon. Qui a quand même malgré aux pasteurs. Hein? Moi, c'est une loquette, tu es ça quand même. Quand même, tu es pasteur, mais tu as un peu les ficelles dans le rein. Hein? Moi, la perfection, pour la protection. Même pour la protection. Ma pasteur m'a dit, oh, mais il n'y a pas de bain. Mais moi-même, à tout le oh. Il a un peu son. Oh, ça, bon, ça, là, c'est le truc ancestral. Qui en a? Même 60 ans. Ah, Vanda Bonata, là, ma pasteur. Ah, mais je me suis assis là, comme ça, j'ai vu deux pasteurs. Un, deux. Ma boko, Mathia, t'as 15. À peu près 15 personnes. Deux pasteurs. Baba, t'es hypaté. Mais il y a ma communauté. Même des communautés. Mais il y a des gens avec le ficelle. Il y a des sœurs qui sont ici. C'est un bassiao. Vous avez ça dans vos corps. Il y a un tatouage qu'on t'a fait. Oui. Ce tatouage-là n'était pas juste par plaisir. Tu le sais très bien. Toi, on t'avait lavé. Oui. Est-ce que tu as déjà confessé ça? Au côté, ils allaient pour la chance. Tu viens à l'église, mais tu as une maman. Oui, on a chance car qu'elle a l'apanda et pas de zambé. La chance parce que Dieu ne veut pas sortir le mal que les gens font en secret. Parce que c'est ce que je vois quand je vous prêche ici. Moi-même envie de prier là. Tu fais des histoires, pourquoi tu ne confesses pas?
Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle au bas de la croix. Il veut que tu renonces à toutes ces choses que tu as obtenues depuis ton origine. Rachel, hein? Rachel, la femme de Jacob. Moi, c'est Jacob. Elle a vécu pendant 20 ans avec Jacob. 20 ans. 7 ans. Ils étaient juste des fiancés. Et puis cette autre année, 14 ans de fiançailles. Et banda pas Jacob. Et sous qu'appelle Jacob. Yo quand on a battu 7 ans de fiançailles. Oh voilà Nzambe alléluia. Tu es au comité Nzambe pour le tour. C'est quand même 7 ans de fiançailles depuis tout ça. Yo. John, ok. Libérez moi au nom de. Père la fille de tout au nom de Jésus. Les lots sont au nom de Jacob. Tout n'est yaya. Au bas la journée. Tu vas me appelle-moi la date. Tu donnes le mois et la date. Faut dire quoi? Pourquoi tu peux me vivre là comme ça? Et puis que moi la moitié de mon père est une fille, un moment elle vieillit. Libère-moi. Parenthèse, pardon. Je ferme la parenthèse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rachel a vécu avec Jacob. Il a vu comment l'alliance a marché. L'alliance a parlé. Il a vu toutes ces choses. Comment Jacob est devenu riche par Dieu. Mais lorsque il est en train de partir, maman Obi Rachel a sandé. A joué biké quoi papa na bango. Il a pris. A joué en abombiango. A kimi na yango. Biké quoi. Les amulettes de son. Donc yo ya kana JLC. Aujourd'hui on a mis son zamba au sala. Et puis tu vois ce que mais malgré ça, il n'y a pas d'abino lingotikate. Les histoires de ta famille que tu ne veux pas abandonner. Tu vois? Money. Si je ne te prêche pas ces choses, ce beaucoup filme, si tu je me connais pas nanga. Mais je te prête ces choses. Si tu te convertis, tu seras sauvé. Mais si tu ne te convertis pas et que tu meurs, ton sang retombera sur ta tête. Parce qu'aujourd'hui, je t'ai présenté la vérité. Il faut que la vérité ma famille n'abisso. Que l'on dise des vérités sur nos familles. Le secret vanille la katia. Le secret qui sont là dedans. Il y a des familles où le pouvoir de la richesse fait que l'homme doit coucher avec sa petite nièce pendant qu'il est petit. Il doit le violer. C'est la loi famille. C'est la loi famille. Tu dois juste fermer la bouche. Qu'on avait bon. Yo ba sala ki ango au petit peu moi na. Attention. Allez cousin na yo ayé na ndako. Ton cousin venu c'est la maison. A violé moi, moi n'a pas de force ta fille et quand la fille a voulu parler, lui a réduit au silence. Il est pas et tu as perpétré un truc pareil. Tu ne veux pas renoncer à ça. Tu ne veux pas confesser cela. La Bible dit, c'est lui qui garde, qui cache ses transgressions, ne peut pas prospérer. Il a changé ma prophète 1000. D'ailleurs, il y a un 50e déjà prophète. Au moni. Oh, ils ont la 40e église. Ça, c'est la 40e église. Tu as soupé. Oh, long, après ma terre. À un moment, tu peux quitter ma presse. En fait, on a dormi, 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 on a dormi. Surtout, il est français. Vous savez, il n'est pas fin. Il a un peu de légèreté de langage. Vous savez, ma français, nous sommes en avion. Tous ces français-là que tu connais, là, ça peut changer ton cœur. Tous les gens qui ont un pasteur à Mundele, à Nzamba, ça zoye. On a un pasteur. Bien aimé, la vérité c'est ça. La vérité est que tu dois accepter que non, j'ai un problème. Mon problème c'est pas d'abord le démon. Je suis encore attaché à mes origines. Je suis encore attaché à ça, à ma vie mondaine. Combien de sœurs consacrées nous avons dans les églises? Combien de frères consacrés réellement à Jésus qui suivent réellement le Seigneur? Combien? Ce cas là moi qui me sent dedans c'est comme bolane l'autre. Merci là un peu de cette c'est pas si pas le gendene. Ba olande ouais pas rien. Mais comment pourquoi les femmes dès qu'on va aussi maman mon moukié. Dès comment tu as un peu d'argent. Bilo quand tu te comme ça là. Ah les histoires là commencent à agir dans le corps. Na bon sa vie now. Je vais changer ta vie. Yo comme Nzambe. Et toi tu es devenu Dieu. Origine. Mais si c'est ça la cause de la malédiction de plusieurs personnes. Aujourd'hui avant qu'on puisse prier. Le lo yamboto bonde là. Paola yo. Paola ça. Paola. Paola. Elle est où? Paola. Hein? Voilà. C'est qui? Oh.
C'est toi, Paola. Oui. Ah, tu as bien fait de célébrer la grâce. Cette prédication que je prêche, l'itéonotéia, ça te prêche aussi. Et taliope. Si tu n'étais pas venu aujourd'hui, cette semaine n'allait pas se terminer. Parce que la mort est en train de te poursuivre. La mort est en train de te poursuivre. Je suis là en train de prêcher. Dieu m'a dit arrête. Paola. On est en train de chercher à la tuer. Bon, on t'avait jeté le mba sous tel que tu es là. Ça t'a raté. Ça a pris quelqu'un au-dessus de toi. Ta mère, ça l'a prise. Maintenant que je parle, ta mère n'est pas à la maison. Maintenant, tu n'es pas protégé. Protection est à te. Parce que vous soignez. Ça peut être beau. Vous soignez. Vous produisez le quoi. Soigner ce possible qui est le et à te prendre à l'église des phobies de la nanine par l'église pour se défendre. Je ne piège à Kindok. Tu ne savais pas que c'était un piège pour la sorcellerie. C'est au les deux camps là. Baron Balé Balé la catacombe. Le deux camps là et celle qu'on cherchait, c'était toi. Hier, tu as failli mourir. L'obé et l'école en haut. Aujourd'hui, j'ai fait un accident. Pardon, j'ai fait un accident. Tu as fait un accident. My God, montre. Célèbre Dieu, célèbre Dieu. Dieu parle dans cette maison. Dieu t'aime, hein, maman. Maman. Dieu t'aime. Aujourd'hui, on va prier pour toi. Mais il va falloir que cette prédication, Dieu va t'a mille fois. Jusqu'à ce que quelque chose. Parce que moi, je vais prier. Ça va partir. Mais on pourra encore te piéger. Tu vois, le diable nous piège dans quoi? Il nous piège dans nos faiblesses. Si il sait que yo kokaka te ba finga yo, omoni, a wa attaquer au place wana. Il va t'attaquer. So yo kokaka te ba tonga yo, a ko tonga rebelle. Ce qui est aussi un peu de prier, c'est un peu de canaux. L'apôtre Paul nous parle du fruit de l'esprit, la patience, la tempérance. Au moment d'une inconversion, il y a une porte de Satan pour assurer ma vie. Allez, ta vie afin de toucher ta vie. Un pasteur m'a posé la question, prophète, comment vous faites? Depuis que je te connais, tu ne te retrouves pas dans les scandales. Tu n'es pas dans toutes ces choses. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, oh. Le problème de l'église est à ce niveau. Les gens sont inconvertis. Mais ils viennent dans les églises. Les églises sont remplies. C'est bien, mais on n'a pas de transformation. Au moment où il y a un peu de kilt, il peut faire du koulou là-bas. Oui. A qui peut faire du koulou? Aïe, bibé. Il prend ma chaise. Quoi? Ah, avec la Michael Obagamen. Avance prophète. Avance prophète. Donne-moi ta main. Puis ça l'obo qu'on a eu. Seigneur, Golo, ta miséricorde. Osawana yo. Ta miséricorde. Osawana yo. Sur ta fille. Nicolas moi non moi si. Ta miséricorde. Osawana yo. Dieu te protège. Mais il protège aussi Nancy. Pas au battre la paix, merci. Nancy. C'est ma soeur. C'est ta soeur. Moi protège Nancy. La mort est dans votre maison. Vous devez beaucoup prier. Demain à 15h, sois là. Je vais prier pour toi. À 15h, ça va. Je dois prier pour toi. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de prophétiser. La prophétie, c'est demain. Mais c'est qu'on les a lobby. Mais ce qu'on doit faire aujourd'hui, tu es là. Tu te retrouves dans cette prédication. Et tu dis, prophète, j'ai envie que Dieu me transforme. J'ai envie que mes racines soient au ciel. Ce n'est pas par ma force. Par moi-même, peut-être que je ne saurais pas. Mais je vais m'abandonner à Dieu. Pour qu'il m'aide à suivre sa voie. Aujourd'hui, je vais prendre une nouvelle fois une décision. Et que Dieu prenne cette décision.
comme la décision de ma vie. De suivre Jésus comme il se doit. Et de m'attacher à mes origines célestes. Le prophète prie pour moi. Avance ici devant. Je vais compter de 5 jusqu'à 0. Je vais m'arrêter. Cours ici. Je n'ai pas besoin que personne ou mouta à tambola. Tambola mbaou, yara mbaou. Viens vite. Acclamez, avance vite. Avance ici. J'ai dit avance vite ici. Tu as été invité. Tu es venu aujourd'hui parce que Dieu voulait te parler. Tu attendais la prophétie. C'est ça ta prophétie. Tu t'es na lobi na lingala. Na lobi na lingala ba yanke. Pour on s'est retrouvé. Pour on s'est retrouvé. Et tu es là, tu sais que ça parle de toi. La croix de Golgotha est là. La porte du ciel est ouverte pour t'ouvrir le chemin. Avance ici. Tu as changé trop d'église, mais ton cœur n'est pas transformé. Aujourd'hui Jésus veut te changer. Aujourd'hui Jésus va te changer. Il va te changer. Il est mort à la croix pour toi. Il t'aime tel que tu es. Il dit viens à moi. Tu es fatigué de fardeau. Tu es fatigué de ce péché. Tu es fatigué de ce style de vie. La croix de Golgotha est libre. C'est gratuitement qu'il te donne la vie. Avance ici. 5, 4, 3, Père. Toute personne qui a écouté ce message et qui va s'endurcir en se maintenant dans le mal, parce qu'il aura endurci son cœur. Père, qu'il soit entre tes mains à partir de maintenant. La grâce t'est donnée. La grâce t'est donnée. Avance ici devant. Laisse ta chaise. Il y a des personnes ici. La chaîne que tu mets au pied, c'est une chaîne qui a été travaillée. Il y a des personnes ici. Vous avez des bacs de domination. Il y a des personnes ici. Et tu aimes ça. Il y a des gens ici. Tu allais déjà à l'église, mais tu étais allé au Talis à quelque part. Mais tu allais faire voir chez les féticheurs. Tu étais allé. Quand l'argent était perdu, tu étais allé faire voir. Mais tu pas la langue, non? Ça, c'est quel christianisme? Tu ne pardonnes pas tel que tu es là. Tu es là comme ça, tu as des gens dans ta famille à qui tu ne parles pas. Tu t'es déjà juré lui jusqu'à ma mort. Tu n'es pas converti. La vérité, c'est ça. Demain, peut-être que tu n'auras pas envie de revenir ici. Mais je dois te prêcher la vérité. Pour que si tu es condamné, que ce ne soit pas sous ma tête. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de la transformation ici. La croix est devant moi. Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi. Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Kala baba bashi. Kala baba, avance, t'attends. Pousse là. La croix est devant moi. Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Que Dieu te bénisse, avance. La croix est devant moi. Seigneur, je ne peux plus. Je me donne au parfum. Seigneur, je me donne au parfum pour toi. Je me donne au parfum. Seigneur, je me donne au parfum pour toi. Un parfum qui chante. Parle à Dieu. Bon ensemble. Qui danse. Un parfum mélodie. Coulant de tout mon être, Nami Kabie.
kalaba andre vesema. Nami kabie. Que Dieu bénisse cette dernière personne qui est en train d'avancer. À qui le Saint-Esprit vient de convaincre. Avance ici. Au-delà des mots que j'ai dit, le Saint-Esprit a parlé au cœur de quelqu'un. N'endurcis pas ton cœur. Avance ici. Avance. 3. 2. 1. Merci Jésus. Merci Jésus. Et 0. Vous qui êtes ici, levez les mains vers le ciel. Levez vraiment les mains. Ngamoko na ko kite Kome ma ekulusu Senanguya na Yesu Nena kokie ae Liloba na yobomo Evanda katina nga Etele misa ngangui Natato la yomo santu Namakasi nangaite Nanguya nangaite o Namolimo na yonzambe Yango nyoswe koki Namakasi nangaite Confesse le péché à Dieu. Confesse, parle. Confesse tout le péché. Il est là, il t'écoute. Confesse-le. Namakasi na ngaite Nanguya na ngaite Namolimo na yo nzambe Nyonso ekoki Purifie mon cœur Sanctifie ma vie Ô Dieu d'Israël Nous te le prions Ô Ngana kokene epai na papa Na kondi mama benanga Ngana koloba na ye papa Limbisa mabenanga Ngana koloba na ye lisusu Ngai moko na kokite Papa simba bomoi nangai Limbisa Karababababash Mabe na boi Kosala Yangone na zali Kosala Bola muna lingi Kosala Nako Jésus a dit ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et vos enfants. C'est le temps de pleurer devant Dieu. Pour dire Seigneur me voici. J'ai longtemps fait semblant. Mais voici je viens. Je viens devant toi. Je viens confesser mes péchés. Ah oh, Yesu. Yo zambe ya lobiko nanga lobiko nanga ye ngala segi na yo kolo zambe ya kobunde langa kala baba baba bash kala baba baba bash kala baba Jésus. Jésus. Naïe, naïe.
Nayo Naye Naye Nayo. Ces chambres, j'étais allé en retraite il y a quelques années. Alors que j'étais sur la montagne, je venais de faire quelque chose qui avait attristé le Saint-Esprit. Jamais de toute ma vie chrétienne, je n'avais fait mal à l'Esprit de Dieu comme ce jour-là. Et la culpabilité m'avait porté. Ça s'est passé, je crois, il y a plus de 8 ans passés. 8 ans, ou 7 ans. Ce jour-là, une voix commence à me parler. Dieu ne peut plus t'écouter. Dieu ne va plus marcher avec toi. Dieu va t'abandonner. Et ce jour-là, j'ai dit, au lieu de fouiller la présence de Dieu, parce que j'ai péché, je vais aller à ses pieds. Et quand je suis arrivé à la montagne et j'ai commencé à chanter ces cantiques. Papa naï naïe 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 Kotika naïde naïe naïe Limisa vabe naïe 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 Kobaka naïte naïe naïe Papa kanisa ya bulusu naïe naïe Kotika naïte Tala satana aingelika naïe naïe Kobaka naïte naïe Nande na fumula kide kuke naye naye Koboya naite Jésus. Vous savez, quelquefois même en venant chercher la délivrance, nous sommes hypocrites. Nous cherchons très vite les sorciers de la famille. Mais souvent nous oublions que c'est nous-mêmes qui ouvrons des portes à Satan. C'est nous-mêmes par nos propres fautes. Lorsque tu cherches la délivrance, la vraie délivrance commence avec la repentance. C'est lorsque tu reconnais que mes voies n'étaient pas droites devant Dieu et que tu te repens sincèrement. Vous n'êtes pas mieux que ceux qui sont à genoux ici. Peut-être que vous êtes juste orgueilleux parce que tu as regardé les regards des hommes. Tu as craint qu'on va te juger. Quel est le jugement pire? Est-ce que c'est celui des hommes, du regard des hommes, ou c'est le regard de Dieu? Qui cherche à avoir l'humilité dans ton cœur? Naïe, 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 koboaka gaite, naïe. Bosana masumu naïe, naïe. Kotika gaite, naïe. Kanisa. Suyaya na ye kala papa papa ye le 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 ataka kanisa mabota na mabokwa Yesu na ye Jesus kotika naite na ye kanisa motole ya tube na motwa Yesu na ye kubwaka naite nae papa papa papa. Ce soir, pourquoi les lots? Je vois la vision de ce fils prodigue qui était parti loin du père, mais étant rentré à lui-même, il a dit je reviendrai. Et quand il est revenu, le père ne l'a pas jugé. Le père l'a accueilli à bras ouverts. Lève tes mains et déclare avec moi, papa, me voici à la maison. Dis-le plus fort, papa, me voici à la maison. À cause de l'œuvre de la croix, accueille-moi, pardonne-moi, lave-moi, sauve-moi, transforme-moi.
Plusieurs fois je suis passé devant, mais je suis encore retombé. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je me suis rendu compte que je suis incapable de me convertir moi-même. C'est par ton esprit que cela est possible. Alors je crie à toi, Père, sauve-moi. Père, change-moi. Père, transforme-moi. Transforme l'état de mon âme. Transforme mon cœur. Fais de moi un homme nouveau. Que désormais ta parole puisse me pénétrer. Que désormais que ta parole puisse me changer. Que désormais, quand le mal est devant moi, que je puisse recevoir la force de refuser le mal, de repousser le mal, de fuir le mal. Donne-moi la grâce de rester debout avec toi, de courir avec la foi jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Je reçois le pardon, je reçois le salut, je reçois la grâce qui m'a été accordée à la croix de Golgotha. Puisque je crois en Jésus, je confesse de ma bouche qu'il est mon Seigneur et je crois dans mon cœur que toi Dieu, tu l'as ressuscité des morts et il est vivant. Oui, je le crois. Et puisqu'il est vivant, il peut me changer, il me transforme. Aujourd'hui, j'accepte cela, je crois en ça et je reçois cela au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi prier pour toi. Père, Tata, si tu nous as agréés dans ta présence et que la parole que nous avons prêchée est venue de toi, accorde à ces hommes et à ces femmes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit authentique, celui qui est descendu sur les disciples quand le Seigneur Jésus-Christ a soufflé sur eux et il leur a dit recevez l'Esprit. Ils ne sont pas tombés ce jour-là, mais ils ont reçu la régénération. Si plusieurs parmi eux tombent encore et encore, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Je te prie, Père, accorde-leur la grâce. Libère sur eux ton esprit. Qu'ils entrent en eux. Qu'ils leur apprennent à marcher avec toi. Qu'ils ouvrent leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Qu'ils produisent en eux le fruit de l'Esprit, qui est l'amour authentique. Car il est écrit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que cet amour soit répandu dans leur cœur. Qu'ils se retrouvent en train de t'aimer, de te suivre et de te servir. Qu'il en soit ainsi, Père. Par le pouvoir qui m'a été conféré par l'évangile, je déclare que vos péchés sont pardonnés. Je déclare que le Seigneur Jésus-Christ efface toutes vos transgressions. Et je déclare, puisque vous vous êtes humilié devant Dieu, il vous tient la main et il vous fait tenir debout afin que votre marche soit une marche de ceux que Jésus a transformés. Recevez cette grâce aujourd'hui même au nom de Jésus-Christ. Amen. Levez-vous et acclamez très fort le Seigneur. Regardez-moi. Il y a une instruction que le Saint-Esprit m'a donnée. Il m'a dit le samedi matin, nous allons organiser un service de baptême spécial selon l'engagement que vous venez de prendre. Selon cet engagement, vous serez devant Dieu au travers des eaux le samedi matin. Je ne dis pas, oh non, tu as déjà été baptisé, tu n'as pas été baptisé. Peu importe. Si tu sens dans ton cœur qu'aujourd'hui c'est un nouveau commencement, que je dois commencer quelque chose de nouveau, le samedi, on va confirmer cela par les eaux de baptême. Et vous allez passer par ces eaux. Après cela, moi cela s'est passé le 31 mars 2001. Mon père biologique est revenu de Mangingenge. Pendant 40 jours, on ne l'a pas vu.
Il nous a pris, ma grande sœur, mon grand frère et moi. Il nous a amenés avec les frères de l'église. Il nous a baptisés. Dès que cela est passé, mon grand frère a reçu le baptême du Saint-Esprit. Les miracles ont commencé dans sa vie. Moi, j'ai reçu le don de la musique. C'est comme ça que j'ai commencé à servir Dieu dans la musique. C'était parti comme cela. Et je crois dans mon cœur. Moi-même, je ne baptise plus en principe. Ce sont mes pasteurs qui les font. Mais ce samedi ici, ce sera moi-même. Tu es là, tu n'as jamais été baptisé. Tu es là, tu as été mal baptisé. On t'a baptisé quand tu étais bébé. Ce baptême ne compte pas. Parce que la Bible dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Celui-là sera sauvé. Tu as été baptisé, mais tu n'avais jamais pris l'engagement de suivre Jésus. C'était un baptême dans l'inconscience. On peut reprendre le baptême. Allez lire ça dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Ils avaient reçu le baptême de Jean pour la repentance. L'apôtre Paul leur a présenté l'évangile et il les a baptisés à nouveau au nom de Jésus-Christ. Ce samedi, vous serez baptisés au nom de Jésus-Christ. Tu es dans l'église. Le pasteur David Joël est où? Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là? Tu es ici, tu es assis. Ou même tu es devant ici. Le samedi, j'ai besoin de tes coordonnées pour prier avec ça à partir d'aujourd'hui. Je serai dans la présence de Dieu en train de prier pour toi. Pour que quand je te mettrai dans l'eau, que comme pour Jésus le ciel s'était ouvert, que toi aussi, que le vrai Saint-Esprit vienne sur toi. Moi, j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai pu voir comment il m'a transformé. La vie chrétienne, si tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit, ça te sera impossible de la vivre. Parce que mon kiyo, na ma benyo, so elenge, ma beza gane elenge. Ce monde ici, avec tout ce péché qu'il y a, il y a les goûts dans le péché. Pour que tu transcendes ça, ce n'est que par le Saint-Esprit. Et pendant trois jours ici, le jeudi, le vendredi, le samedi, nous serons en train de prier avec des amis, en priant pour vous. Et le samedi, ça sera un nouveau jour pour vous. Si vous êtes là, en quittant ici, vous allez voir le pasteur David Joël. À la fin du culte, voyez-le, même si tu es dans la salle. Je vais vous baptiser ce samedi. Que Dieu vous bénisse, rentrez dans vos places. Acclamez le Seigneur. Non, acclamez bien, acclamez bien. Mon Jésus.